Bonsoir, toi qui m'écoutes. Voilà, ce soir, office des vêpres, à la veille du troisième dimanche du temps ordinaire. Nous allons prier ensemble en cet instant. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Hymne. Il viendra. Il viendra un soir où nul ne l'attend plus. Peut-être appelé par son nom, quelqu'un tressaillera. Au cœur, sans mémoire, qu'un temps soit accordé pour qu'il se souvienne. Il viendra un soir pareil à celui-là. Pareil à celui-ci, peut-être. À l'Orient, devant lui, le ciel s'embrasera. Aux pauvres, allez dire que tout s'accomplira selon la promesse. Il viendra un soir où rôde le malheur. Peut-être ce soir-là, sous nos peurs, l'amour l'emportera. Criez à tous les hommes que rien n'est compromis de leur espérance. Il viendra un soir, sera le dernier soir du monde, un silence d'abord, et l'hymne éclatera. Un chant de louange sera le premier mot dans l'aube nouvelle. Alléluia. Psaume 112. Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Du levant au couchant du soleil, soit louez le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples, sa gloire domine les cieux. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu, lui siégera là-haut. Mais il abaisse son regard vers le ciel, vers la terre. De la poussière, il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre pour qu'il siège parmi les princes. Parmi les princes de son peuple, il installe en sa maison la femme stérile, heureuse mère au milieu de ses fils. Antienne. Je t'offrirai, Seigneur, le sacrifice d'action de grâce. Psaume 115. Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert. Moi qui ai dit dans mon trouble, l'homme n'est que mensonge. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur. Oui, devant tout son peuple. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, le fils de ta servante, moi dont tu brisas les chaînes. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. À l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Je t'offrirai, Seigneur, le sacrifice d'action de grâce. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Cantique. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenu semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur la terre et aux enfers. Et que toute langue proclame, Jésus-Christ est Seigneur,
à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole de Dieu. Lettre aux Hébreux, chapitre 13, versets 20 à 21. Que le Dieu de la paix, lui qui a fait remonter d'entre les morts le berger des brebis, pasteur par excellence, grâce au sang de l'Alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, que ce Dieu vous munisse de tout ce qui est bon pour accomplir sa volonté, qu'il réalise en nous ce qui plaît à ses yeux par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Tu nous as rachetés, Seigneur, au prix de ton sang. Hommes de toute race, langue, peuple et nation, tu nous as rachetés, Seigneur, au prix de ton sang. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Tu nous as rachetés, Seigneur, au prix de ton sang. Peuple, que Dieu s'est choisi, il t'appelle à son admirable lumière. Pour que tu proclames ces merveilles, alléluia. Cantique de Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent, déployant la force de son bras. Il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Peuple que Dieu s'est choisi, il t'appelle à son admirable lumière, pour que tu proclames ces merveilles. Alléluia. Intercession. Nous souvenons que le Christ eut pitié des foules, nous le prions. Seigneur, montre-nous ton amour. Nous tenons de ta bonté la joie de ce jour. Qu'elle te revienne en action de grâce. Seigneur, montre-nous ton amour. Ta lumière et salut des nations soient la force des témoins que tu as envoyés. Seigneur, montre-nous ton amour. Toi qui entends le cri du malheureux, garde-nous d'être sourds aux appels de détresse. Seigneur, montre-nous ton amour. Médecin des âmes et des corps, visite-nous et guéris-nous. Seigneur, montre-nous ton amour. Souviens-toi des morts tombés dans l'oubli, que leurs noms soient inscrits au livre de vie. Seigneur, montre-nous ton amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Que Dieu tout-puissant te bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je te souhaite une bonne soirée. À bientôt. C'était ton frère bien-aimé dans le Christ, Diacre Freddy.